Il y a bien longtemps, le monde était plongé dans une obscurité éternelle. Rien ne poussait, et il n'y avait aucun signe de vie. À l'exception d'un seul endroit, la montagne bleue, où vivait une petite communauté de gnomes bleus. À la nuit tombée, au clair de lune, on pouvait trouver en haut de la montagne les myrtilles les plus juteuses qui soient. Et c'était ces myrtilles qui, un jour, allaient tout changer. Car la montagne bleue cachait autre chose. De la poudre magique. Mais, suite à un petit incident, les gnomes découvrirent le secret de la poudre magique. Et c'est alors que la première heure magique fit son apparition. Mais rien n'arrive jamais par hasard, et la montagne l'avait bien compris. Entrez, entrez vite! Allez, venez! Et c'est pourquoi le secret devait être protégé. Et tout gnome bleu qui se trouverait dehors, une fois la montagne refermée, disparaîtrait à jamais. Vous ne pouvez pas entrer et sortir comme bon vous semble quand vous avez la responsabilité d'apporter la lumière au monde. Chaque matin et chaque soir, nous créons l'heure magique et décidons quand la nuit tombe et quand le jour se lève sur le monde. C'est notre raison d'exister. Et c'est pourquoi, nous les gnomes bleus, il nous faut demeurer ici. C'est ici que l'on a besoin de nous. Ce que la montagne nous offre... Nous l'offrons à la montagne. Et à votre avis, quelle est notre règle la plus importante? Nous empruntons, mais nous offrons en retour. Oui, c'est vrai, princesse Bleuette. Mais il y en a d'autres. Oui? Les gnomes bleus doivent s'aider les uns les autres. Oui, c'est une règle très importante. Mais enfin, la plus importante, c'est... L'heure magique! C'est l'heure magique! Je veux voir ça. Papa? Non, non, c'est... Vous pouvez y aller. Oui! Hé, hey, attendez, attendez! Vite. Mais attendez, voyons! Attendez! À jamais, la montagne bleue doit rester fermée aux étrangers. Personne ne doit connaître l'existence de la poudre magique. Mon ami, toi et tes règles, c'est évident, bien sûr qu'ils connaissent cette règle. Oui, on magique, oui, on y va. Youpi. Que la poudre magique étincelle et que les myrtilles soient bien bleues.
Que la montagne s'ouvre pour tes gnomes si vertueux, et que la vie puisse apporter la lumière, et que grâce à elle, tout grandisse sur cette terre. Ils ont l'air de bien s'amuser, tu ne trouves pas? Oui. Lorsque j'étais un enfant comme toi, j'adorais faire de la luge. L'air frais glaçait mes joues et mon estomac était tout retourné. Pourquoi n'essaies-tu pas d'aller dehors? Vous croyez? Mais oui, je le crois. Et si la luge allait trop vite? Si elle dévalait la pente tellement vite que je ne puisse pas m'arrêter? Ou bien si je me perdais? Et si la montagne se refermait à jamais? Oui. Peut-être une autre fois, alors. Est-ce que ça va? Mais oui, 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 ça va. Veux-tu sonner la cloche, ma petite bleuette? Oh oui! À tout à l'heure, papa. Tout le monde doit rentrer! Dépêchez-vous, c'est fini! Venez, il faut rentrer! L'heure magique est terminée! Dépêchez-vous! C'était un peu juste. Attrape! Vas-y, passe-la moi! Attention! Où est-ce qu'elle est allée? Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est le tunnel qui va vers la salle des anciens. Ce sont eux qui détiennent toutes les réponses. Seuls peuvent entrer les héritiers du royaume. Et alors? Le rang de princesse ne suffit peut-être pas. Et si on allait à la salle du trône, hein? Venez! Bleuette! C'est la plus belle pomme de pin que j'ai jamais trouvée. Vas-y, s'il te plaît. Erke, arrête et laisse-la partir. Elle manque juste de... courage. Ah, ma petite fille.
Pourquoi cette mine attristée? Tu as perdu ton panier de myrtilles? Si un gnome a presque peur de tout, alors comment peut-il devenir courageux? Bleuette, celui qui n'a pas peur n'a aucune chance de devenir un être courageux. C'est-à-dire? La bravoure, c'est de faire les choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et le jour où ça en vaudra vraiment la peine, ce jour-là, ce petit gnome sera plus que prêt à affronter tous les dangers. Mais comment y parviendrai-je sans vous? Bleuette, veux-tu bien m'excuser un moment? Pourquoi? Eh bien, parce que... Ça regarde seulement les personnes concernées, ma petite. Mais je veux être concernée! Eh bien alors, tu devras patienter, Bleuette. Car ce jour n'est pas arrivé. Voilà! Oh non, ma petite, on ne me la fait pas, moi. Allez, va. Allez, du large! On pourrait essayer avec du lait de renne. Ou alors je pourrais demander aux anciens. Il y a peut-être un remède. Tu as bénéficié d'une longue et belle vie. Et maintenant, tu vois gris, ta vie touche à sa fin. C'est dans l'ordre des choses. Bonjour. Ancien sage, vous êtes là? Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Seuls les héritiers du royaume sont autorisés ici. Mais ne vois-tu pas qu'elle est la fille du roi de la montagne? Princesse Bleuette. Je me demandais qui cela pouvait bien être. Pour que cette couronne ne brille pas. Ne sois pas si impatient. La couronne brillera quand elle aura commencé à accomplir des actes dignes d'une reine. Oh, elle n'est pas assez courageuse pour devenir reine. C'est de mon père dont je veux parler.
Mon père ne parvient plus à voir bleu. Quand la vision du bleu commence à faiblir, c'est que la montagne vous réclame. Il doit bien y avoir un remède. Quelque chose qui pourrait le soigner. Sa vie touche à sa fin. C'est dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses. Il y a peut-être un moyen. Quelque chose que les humains possèdent. C'est quoi ? Il y a fort longtemps, lorsque j'étais plus jeune, j'ai entendu des humains qui se lamentaient et pleuraient la mort d'un malade. À ce qu'ils disaient, ils auraient pu le sauver s'ils avaient eu une toute petite chose. Ils appellent ça l'argent. L'argent ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop, mais cela doit avoir des vertus magiques pour que les malades guérissent. Savez-vous où je pourrais trouver des humains ? Fais attention, ils peuvent être très dangereux. Si tu les regardes dans les yeux, tu disparais. Ils vivent plus bas dans la vallée, hors de la montagne bleue. Un remède. Tu veux sortir, tu en es vraiment sûr? Mais enfin, jamais tu ne vas dehors, Bleuette. Tu fais ici? J'ai besoin que vous m'aidiez. Ah oui, c'est vrai? Oui. C'est trop dangereux toute seule, vous savez. Tout est dangereux pour toi. Erke, on doit toujours s'aider les uns les autres. Allez. Pourquoi je t'aiderais? Tu m'as pas aidée pour ma pomme de pin. C'est vraiment si dangereux, Bleuette? Tu me connais. Oui. Je peux emprunter ta luge? Amuse-toi bien. Non !
Au moins, tu t'es bien rattrapée. Ne me regarde pas dans les yeux! J'ai pas besoin de regarder, mais toi, je te conseille de regarder où tu vas. Tu as failli écraser le roi des gnomes, tu sais. Le roi des gnomes? Où ça? Là! Là? Ton roi est là! Je m'appelle Drang. Je suis le roi des gnomes rouges. Les gnomes rouges? Vraiment, ils existent? Vraiment, ils existent? Le monde entier cesserait d'exister sans eux. Nous prenons soin des fermes et des animaux. Eh oui. Tu comprends? Où vas-tu? À la ferme pour rendre visite aux gnomes rouges. Il y a des humains qui vivent là-bas? Oui. C'est là aussi que je vais. On m'attend dans la grange, alors. C'est comment, l'argent? C'est pas très grand. C'est tout rond. Ça tient dans la main et c'est doré. Merci, Drang. De rien. Je m'appelle Bleuette. Fais bien attention que le fermier te voit pas. Sinon... Pouf! Posez un peu. Ça va? Allez, ils t'attendent. Dépêche-toi. Allons les enfants, à table. C'est moi le premier. Oh. Ah. Oh, tu sais que tu es vraiment incorrigible. Enfin, je n'y peux rien. Ça sent tellement bon. Ça suffit, les enfants. Ce n'est plus l'heure de s'amuser. Allez plutôt à la réserve. J'ai apporté un peu de charcuterie et de viande séchée. Oh. Ramenez tout ce que vous pouvez. Ou au moins, le minimum. Mais enfin, tu ne crois pas que tu es assez gros comme ça, Vrom? T'as raison, Annie. Allez, tu en place, vite, ils arrivent. Allez, allez. Réveille-toi, mais réveille-toi. Allez, réveille-toi, la reine arrive. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Mmh.
Bah, tu n'es pas notre reine. La reine des gnomes rouges est maintenant bien trop âgée pour voyager. Elle a décidé de donner la couronne à son fils. Je m'appelle Dreng, je suis votre nouveau roi. Votre Majesté, il faut bien plus d'une couronne pour être roi. Et il faut être un homme pour être roi, pas un petit garçon. Je suis un bon roi. Enfin, regardez comme ma couronne brille. Tu en es sûr? Es-tu sûr que ce n'est pas plutôt la reine qui l'a fait briller? Oh, vous avez vu? Elle s'appelle Bleuette. C'est un gnome bleu que j'ai rencontré sur la route. Un gnome bleu ici? Non seulement tu es trop jeune pour être roi, mais en plus tu te permets d'amener des étrangers avec toi. Et avec un bonnet de la mauvaise couleur. Je ne vais pas rester. L'heure magique est presque finie. Le fermier arrive. Dépêchez-vous, il approche. Il ne doit pas nous voir. Vite, cachez-vous et cachez tout. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Espèce de gnome voleur. Oh, c'est pas vrai. Il nous cherche. C'est la première fois qu'il fait ça. T'en penses quoi, toi, ma belle, hein? Des gnomes. Il s'en va! Il faut s'en aller vite! Dépêchez-vous, allez plus vite! Oh, on a eu chaud! C'était moi une! Maman! Papa! Maman, tu sais pourquoi le fermier ne nous aime pas? C'est parce qu'on lui a pris trop de nourriture? Les humains ne se mettent pas dans un état pareil juste pour de la nourriture. Il doit y avoir autre chose. C'est toi! Tu m'as questionné à propos de l'argent! Tu as volé l'argent du fermier! Bleuette! Tu dois rendre cet argent! Mais je ne peux pas! Sinon mon père va mourir! Les anciens de la montagne ont dit qu'il n'y avait que l'argent qui puisse sauver mon père, que c'était le seul moyen. Je peux comprendre que tu fasses tout pour sauver ton père. Mais qui va nous sauver, nous? Où allons-nous aller? Thank you.
Erke, va chercher Rimsa. Dépêche-toi. Venez. C'est par ici. Entrez. Par ici, tout le monde. Quelle est notre règle la plus importante, princesse Bleuette ? Nous empruntons, mais nous offrons en retour. Pas celle-ci. Nous devons nous aider les uns les autres si nécessaire ? Non. On ne doit jamais laisser entrer un étranger. Alors aurais-tu la gentillesse de m'expliquer pourquoi la montagne bleue est remplie de gnomes qui n'ont pas la bonne couleur de bonnet ? Mais qu'est-ce que c'est encore que toute cette agitation, papa ? Hein ? Oh, princesse Bleuette ! Comme... Tu es allée dehors ? Oui, quand il faut le faire, il faut le faire. Et j'ai trouvé quelque chose pour vous guérir. Ça vient des humains ? Je n'ai pris qu'une seule pièce et je l'ai empruntée au fermier. Non. Tu ne peux pas emprunter aux humains. On ne sait jamais quel malheur pourrait arriver. Ce qui est arrivé, c'est que le fermier s'est mis en colère et que nous avons perdu notre chez nous. Mais que se passe-t-il ? Dis-moi, qui sont tous ces gnomes bleus ? Ce ne sont pas des gnomes bleus. Ils portent des bonnets rouges. Des bonnets rouges ? Dans la montagne ? Ils n'avaient nulle part où aller. Ils partiront. Ils partiront quand tu auras rendu cet argent. Mais papa... À la prochaine heure magique, tu iras rendre ce que tu as emprunté. On ne peut pas lui faire confiance. Qui nous dit qu'elle ne volera pas autre chose à la place ? Quelqu'un devrait l'accompagner. Pourquoi pas le soi-disant roi ? Après tout, c'est lui qui l'a amené à la ferme. Bien. Comme ça, nous verrons s'il est digne d'être un roi ou non. D'accord. Qu'il en soit ainsi. En attendant, pourquoi ne pas l'utiliser ? Non. Vous savez ce que disent les règles. Mais tu sais pourquoi elle a fait ça ? Oui, mais elle n'aurait jamais dû laisser entrer les gnomes rouges ici. C'est une grave erreur. Elle voulait juste les aider, rien de plus. Certes, mais elle aurait dû... Elle aurait dû mieux connaître nos règles. Vous le savez bien. Imaginez qu'il trouve la poudre magique. Tu sais, je pourrais dévorer la vallée tout entière si elle était couverte de porridge. Si même toi tu as faim, pense à ce pauvre Vôme, d'accord ? D'ailleurs, où est-il ? C'est uniquement pour les gnomes bleus. Et pardon, mais c'est quoi cette lueur, hein ? Rien qui te concerne, et en tous les cas, ça ne te regarde pas. Alors retourne voir gentiment et sans faire d'histoire tes petits amis au bonnet rouge.
pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais une princesse? Je ne suis pas digne d'être une princesse. Parfois, je me sens pas digne non plus d'être roi. Pourquoi il n'a pas voulu de la pièce? Je sais pas. Mais peut-être que tout ira mieux quand tu l'auras rendu, Bleuette. Ça n'aidera pas mon père. Mais ça pourra nous aider, tu sais. Je ne vois pas le fermier. Allons-y. Attends. Je crois pas que j'y arriverai. Je crois pas non plus que j'y arriverai. Mais si tu n'as jamais peur, alors tu ne peux pas être courageux. Ça va bien? Très bien. On fait quoi maintenant? Chut! Ça va? Je sais pas, on va voir. Pas bien. Ah, on est mis à l'intérieur. Vas-y, entre. Ah, garde-moi ça. Magnifique! C'est royal! Oui. La nappe, la vaisselle. Ah, ça n'a pas été sans mal, figure-toi. J'avais tout juste assez d'argenterie. Qu'un peu de nourriture disparaisse, passe encore. Maintenant, il commence à voler de l'argent. Et c'est pas tout. Ma montre, elle aussi a disparu. Avec mes médailles. C'est pas moi qui les ai pris. Alors il y a un autre voleur parmi nous. Vous allez voir. Sale gnome voleur. Des gnomes voleurs? Oui. Je les aurai, je te promets. Je crois que tu devrais éviter d'en parler à tes invités. En tout cas, ce n'est pas avec ça que tu pourras impressionner Solveig. Hein? Je veux dire, qui croit aux gnomes, hein? Regarde. Je l'ai eu hier soir. Regarde-moi ça. Pas mal, hein? Comment tu trouves? C'est joli, non? Tu crois qu'elle va enfin vouloir de moi? Sans aucun doute. À une condition, ne parle plus de gnome, d'accord? Bien. Et voilà, tu es parfait. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir, Alba. Bonsoir. Bonsoir, Solveig. Laisse-moi t'aider. Il faut que nous partions.
L'art magique est bientôt fini. Mais ils vont nous voir, voyons. Après toi. Merci. Je parie que tu n'as jamais eu la chance de voir une table de Noël comme celle-là. Oh. Oh, ça a l'air délicieux. Oui, mais tu as vu cette belle table, toute cette argenterie? Tu remarqueras que je ne manque de rien. Solveig. Oui. Solveig, je... Peu importe. Il faut absolument que nous partions d'ici. Allez-y, entrez. Voilà. Ah, asseyez-vous. Allez-y, mettez-vous à votre place. Tout le monde est bien installé? Il faut qu'on parte. Messieurs, dames, je... Je n'ai pas trop l'habitude des discours, mais je vais essayer. Dans l'amitié, et que nous partagions ce repas tous ensemble. Tous réunis autour de cette table. La montagne va se refermer. Alors, levons nos verres. On y va! Santé! Vous avez vu? Ils viennent de s'enfuir! Avec des chapeaux! Alvar! Des... gnomes! Et si... Voleurs ! Des gnomes voleurs ! C'en est trop ! Vous m'entendez ? Cette fois, j'en ai assez ! L'argent, vous avez rendu la pièce. On va tous pouvoir repartir. Oui, on a remis la pièce. Mais quelqu'un d'autre vole le fermier. Et il est persuadé que c'est vous. Peut-être suffirait-il seulement d'aller à la ferme, et je suis sûr que nous pourrions attraper facilement le voleur. Mais si nous rentrons, on pourrait tout aussi bien se faire attraper. Allez où vous voulez, mais en aucun cas il ne sera possible que vous restiez ici. Ça signifie qu'il faut qu'on parte maintenant, alors que c'est vous qui êtes responsable de tout ça. Nous ne sommes pas responsables de tout ça. Ils ont dit que c'était quelqu'un d'entre vous qui volait. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un petit gnome bleu aille voler dans cette ferme. Non, mais enfin, je ne peux pas vous laisser dire ça. Écoutez. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à dire. Écoutez-le, s'il vous plaît.
Dreng a quelque chose à dire. Et si nous donnions au fermier quelque chose qu'il aime, peut-être... peut-être qu'il vous laisserait revenir chez lui. Mais nous n'avons rien à donner. On pourrait lui donner de la poudre magique. Chut ! Enfin, Bleuette ! Poudre magique ? C'est donc ça, cette poudre magique que j'ai vue briller là-bas. La poudre magique ne peut pas quitter cette montagne. Et pourquoi cela ? Sans poudre magique, il ne peut pas y avoir d'heure magique. Et le monde serait plongé dans l'obscurité éternelle. Tu sais bien que cette poudre n'a aucune valeur pour les autres. Et comment une chose qui n'a aucune valeur, enfermée dans une grotte, pourrait avoir autant d'importance ? Quoi qu'il advienne, la poudre magique doit rester ici. Oh 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 Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas encore l'heure magique. Je serai bientôt là, petit voleur. Espèce de gnome voleur. Il a dû nous suivre. Comment est-ce possible? Tu as laissé un villageois monter jusqu'ici, à la montagne bleue? Nous n'avons plus le choix maintenant. Donnez-lui la poudre. Tu les as entendus? On ne peut absolument pas y toucher. Ce qu'ils veulent, c'est juste la garder pour eux tout seuls. Mais qu'est-ce que tu crois? Ils savent ce qu'ils ont à faire, crois-moi. Ils connaissent leur montagne. Allons-nous suivre les conseils d'un gamin dont la tête est tellement petite qu'elle ne peut même pas porter une couronne? Allons-nous rester ici sans rien faire et attendre que le fermier nous attrape? Allons-nous lui donner la poudre magique pour que nous puissions tous ensemble retourner dans notre grand... Allons-y, tous avec moi! Où êtes-vous? Où est ma bague? J'en ai vraiment besoin.
On dirait que tout a très bien fonctionné. Sombre. Ça commence comme ça. Papa! Tout est entièrement de ta faute. Tout cela arrive à cause de toi. Tu as transgressé toutes nos lois. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui indique la fin de la raison de notre existence en ce monde. Je suis vraiment désolé, Majesté. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Papa? Tu dois quitter la montagne bleue. Et tu ne dois jamais y revenir. Aller avec toi et te protéger. Moi aussi. Attends, peut-être que le fermier voudrait ça. C'est dans le coffre de vin, mais il y en a plein comme ça! La bague du fermier! Toi! Oh, tu n'es qu'un sale voleur! Voleur? Voleur? J'ai travaillé dur pour ça. Et rien ni personne ne pourra me l'enlever. Pousse-toi de là, toi! Ah, attends, Bleuette, ce n'est pas l'heure magique. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux? J'aurais jamais osé. Majesté, où allez-vous comme ça? Toi qui me connais si bien, je suis sûr que tu as une idée de là où je vais. La montagne est extrêmement déçue. Cela va être un gros problème d'arranger tout ça, vous ne croyez pas? Il ne me reste plus aucune force. Il ne nous reste plus qu'à compter sur ton successeur. Mais de qui s'agit-il? Celle dont il a toujours été question, Bleuette.
Princesse Bleuette, mais c'est elle qui est responsable de cette situation. Elle a été faible dans toutes ses décisions. Vraiment ? Eh bien, regardez sa couronne. Comment est-ce possible ? Nous ne savons pourtant pas comment cela se finit. À moi ! Tout est à moi ! Approche-toi de cette crapule ! Sortir quand on veut et ramasser des pommes de pin. Quand tous les arbres seront morts, il n'y aura plus de pommes de pin. Oui. Et les graines ? Les bonnes graines de porridge ? Il n'y aura plus de porridge non plus. Plus de porridge ? Mais enfin, ce n'est pas possible. Rien n'est possible sans la poudre magique. Mais vous avez choisi d'écouter Vom. Je suis vraiment désolé. Mais il y a une différence entre filouter et voler. Je pensais que les responsables ne pouvaient être que des gnomes bleus. Oh mais oui, bien sûr. C'est ce que nous devons faire. S'il y a bien une chose pour laquelle nous sommes doués, c'est filouter. Et quand nous mettons le bazar, nous nettoyons tout. Oui, tu as raison. Gnome rouge, nous avons de la poudre magique à filouter. Oui. Mais sûrement pas sans l'aide des gnomes bleus. Oui. Regarde. C'est bien trop lourd pour nous. Comment on va faire ? On va faire à la manière des gnomes bleus. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire sortir le fermier. Je m'en occupe. Façon gnome rouge. Attention tout le monde. Prêt ? Allez-y. Qui va pas, hein?
On se calme. Doudou. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle, hein? Tu m'as l'air bien nerveuse. Allez, je suis là. Ça manquera pas au fermier, tu sais. Prends la pièce. Et sauve ton père. Non, pas comme ça. Ça risquerait de menacer la terre entière. Tu es le gnome le plus courageux que j'ai jamais vu. Impossible. C'est trop lourd pour nous. Mais pas pour nous. Crois-tu que cela soit trop lourd pour nous tous? C'est à moi. Fais pas ça, Vaume. Je venais tout simplement voir si tout allait bien pour toi. Je vais parfaitement bien, ne t'inquiète pas. Je suis très heureux que tu sois passé, Solveig. J'ai quelque chose à te montrer. Je suis sûr que tu n'as jamais vu ça. Pour l'amour de notre porridge de Noël, laisse ça! Je t'en prie, entre. Vaume! Merci. Tu n'as qu'à aller dans la salle à manger, tu verras. C'est sur la table. Ne me regardez pas! Thank you.
Quoi? Je te jure que tout était là. Tout était là. Mais tout est là, Alvor. Mais ce n'est... Ce n'est pas... C'est magnifique. Mais je ne m'intéresse pas à toutes ces choses. C'est toi. C'est toi que j'apprécie, avec ou sans argent. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre et espérer. Je n'ai rien pu faire pour vous. Il y a tellement de choses. Tellement de choses qu'un roi peut faire pour ses gnomes. Mais ils doivent aussi faire quelque chose par eux-mêmes. Bleuette. Ne la jette pas trop loin. D'accord. Où vas-tu donc comme ça, Bleuette? Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais partir. Il y a certaines règles que les gnomes bleus doivent appliquer, comme « aidons-nous les uns les autres » ou bien « nous demeurons là où l'on a le plus besoin de nous ». Je crois pouvoir te parler au nom de tous quand je dis que nous avons tous besoin de toi, Bleuette. S'il te plaît, reste, Bleuette. Rien ne me ferait plus plaisir. Papa? Ma petite fille chérie. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux de te voir. Exactement comme maintenant, et je suis sûr que tu seras parfaite. Raconte-moi comment c'était dehors quand tu es sortie de la montagne. J'ai conduit une luge très très vite, et les maisons en bas dans la vallée, elles ont toutes des grandes ouvertures en verre. Tu en es sûre? Oui, à peu près grandes comme ça. Thank you.
Vous serez les bienvenus quand vous voudrez. Oh, 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 à moins que l'idée vous vienne de faire un bon porridge, ce dont je doute, ça risque d'être dans très longtemps. Ça va être l'heure magique. Tes amis ne vont pas tarder à partir. Tu ne veux pas leur dire au revoir? Je reviens très vite, d'accord? Bientôt, Dreng. Roi des gnomes rouges. À très bientôt, Bleuette. Princesse de la montagne bleue. Et voilà comment une petite princesse timide est devenue la reine la plus courageuse que la montagne bleue n'ait jamais connue. Désormais, tout est redevenu comme avant. Dans la montagne bleue et ailleurs. Tant et si bien que le plus jeune des garçons peut devenir le plus grand des rois. Et que maintenant, les hommes croient aux gnomes et à l'amour. À bientôt, ma petite Bleuette. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que Bleuette sera une très bonne reine. Et même une excellente reine, c'est ce que j'ai toujours dit. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Till jord och sätter goda spår.
så ser du att himlen blir blå. Det ger dig mer kraft till att gå. Dröm om en dag då allt blir gott. Du vet att det du gör kan öppna hoppets dörr. Du lilla hjärte i denna julenatt ger du oss tröst och glädje och fred. Nå kan vi jubla i denna julenatt, för med ditt mot vår vän har du gett oss allt. Har du